Salut à tous, c'est Alizé. On se retrouve pour la découverte de la cinquième map de cette Trackmania Cup 2022. Nous avons déjà effectué Bercy Moku, Roucool, Z-Place, Ralcube, qui a été extrêmement difficile. Direction, une map avec un nom infernal, Chicadran Boisine Enfer. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'elle est plus simple que de prononcer son nom? Telle est la question. Allez! On va tester cette map. Déjà en touche. Oh la vache. D'accord, il y a des trucs comme ça partout. Aïe! Ici, il faut bien viser. Hein. Oh là 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 là, mon Dieu. Faut pas se rater. Hein. Ah merde! Ah, je suis coincé! Bon, on va recommencer du coup. Merde. Allez, on reprend. C'est chaud quand même, hein. On vise bien. Merde. Du coup, on passe où là? Faire comme ça là? Petit truc, ok. Ah. On passe en dessous. Attends, mais on voit rien. Qu'est-ce que c'est? Quelle horreur cette map avec ces petits trucs partout là. Ah, décidément, il manque pas de. Il manque pas d'idées, Zera. Hein. Là qu'il faut aller ou faut continuer? Ah non, faut continuer, je crois. Il y a un stop ici, il y a un truc. En plus, il est même pas sur la route. Ah! Quelle horreur, quoi. Je suis sûr que j'en ai loupé. Ah, il y a un truc ici là avec un super boost. Ok. On retourne sur les petites. Ah. Ah, il faut de la vitesse. Oh, la perte de temps si t'as pas de vitesse ici. Elle est longue cette map. Voilà. Ah. Merde. Ok, tout ça pour ça. Bon, alors, 3 minutes pour la première fois qu'on l'a fait. On va essayer d'améliorer ça du coup. On va commencer un peu plus.
Là, c'est vraiment de la précision. Ici, il faut y aller. Essayer de faire les trucs. Pas d'ici. Aïe! Putain, pour tourner ici, c'est chaud. Aïe! Putain, on voit rien en plus. Attention aux différents stops. Il n'y en a pas un qui est sur le côté. Non, il y en a que là. L'autre est là-bas. Oh là, il y a un boost. Ah, j'avais pas vu le boost. Ah, c'est pour nous. Ok. Bon, là, déjà, on a fait beaucoup mieux. D'accord, je vais taper contre le rebord. Nickel. En même temps, arriver pleine balle ici. Là où je pense que j'ai perdu pas mal de temps. Un peu plus de vitesse que tout à l'heure. Positif. Oh là, merde. Oh non, quel con. Allez, allez. Non, je vais pas y arriver. Non, mais non, tu fais pas ça. Ah, quelle horreur. C'était compliqué ça. Oh là, j'ai perdu un temps fou juste à faire ça. Hein? C'est pas la bonne idée de. C'est pleine balle. Je passe dans des endroits différents à chaque fois, c'est bien. Ah, ça ici à chaque fois je me fais avoir. Concentration. Sur la route. Bon, on peut quand même profiter de ça. C'est moins propre que tout à l'heure quand même. Hein. Ah, c'est vrai qu'il y a ce virage de ces morts. C'est moins propre que tout à l'heure. Ouais, j'étais à 160, là je suis à 140 quand j'arrive ici. Il faut que je tourne un minimum pour éviter de perdre trop de vitesse. Quand même 24 secondes de mieux que le premier essai réussi. On est passé. Oh non. Ah, c'est quoi ce truc? Le caoutchouc qui rebondit bien. Allez, 32 secondes de mieux. Médaille d'or. C'est pas mal. On va essayer d'améliorer ça encore un petit peu. Je pense que le tout, c'est pas de se laisser embarquer ici dans les
trop large dans les virages. Encore améliorer le bubu. Ici qu'il faut que j'évite de me faire avoir. Ah, je suis pas encore tourné assez. Là, on peut y aller ici. Et voilà, il y avait en diagonale ici. Là, petit côté du petit panda là. Ah. J'ai pas envie de me prendre le... J'ai pas le turbo. Saleté d'arbre. Là on vient sur la route. Quel abruti ce truc là. Perdu un peu de temps. Encore ici aussi. C'est là où on va voilà, en gagner pas mal, je pense. 10-15 km/h de plus sur cette partie-là. Nickel, un petit tout droit ici. Ouais, 10 secondes. On a pris 3 secondes sur cette parcelle. Alors ici, il faut que je fasse attention. Nickel. On rebondit pas. 13 secondes de mieux. Eh, hey, c'est pas mal quand même. Hein. Allez, on va essayer d'améliorer encore une fois. Je l'aime bien cette map, elle est cool. Merde. Déconcentré. Elle est tactique, elle est précise. Je croyais que ça passait pas. J'ai perdu un temps fou. J'y croyais pas le fait de passer et Oh putain, ce virage que je pensais pas pouvoir prendre. Ah, il fallait que je prenne un autre poteau, saleté. Non. C'est chaud, mais elle est cool. Oh là là là. Faut que je roule moins vite. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et que je prenne le cactus. Cool, mais vraiment pas facile à faire. Hein. Là, je prenais des virages trop larges, quoi. Ouais, j'essaye de raccourcir un peu et d'être un peu plus proche des bords et faire des. Bon, j'ai pas touché ici. Touchette ici, mais ça va. Et ici, à partir de là, on a la diagonale. Petit pingu. De l'autre côté. On vient sur la route, enfin la route.
ici, il faut bien prendre ce virage, c'est extrêmement important. Pour un maximum de vitesse. 180, hé! On a fait encore mieux que tout à l'heure. Et voilà, 6 secondes de récupérer. Cette partie-là, je pense que c'est la partie où il y a le plus à récupérer et la vitesse d'entrée extrêmement importante. Je flippe toujours à cet endroit-là. Et voilà, 7 secondes de mieux, on approche des 2 minutes. Et ben ma foi, c'est pas mal du tout, je trouve. En tout cas, très très sympathique. Voilà, les petits zigzags et tout. Travailler les, on va dire, les trajectoires, l'accélération, la décélération, etc. Je pense que là, j'ai perdu énormément de temps au début. De toute façon, on l'a bien vu. Pratiquement une seconde de retard par rapport à mon temps normal. Donc, je pense que les 2 minutes sont atteignables pour moi. Si je fais attention et si je teste un peu plus longtemps. En tout cas, voilà, c'est terminé pour la découverte de cette 5e map de la Trackmania Cup. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi, sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.